C'est vous trois qui représenterez la classe à la fête de l'école. Oui, merci. Elles sont nulles. Oh, c'est vraiment beau. C'est pas beau. Mais c'était affreux. Je demande un vote à main levée. Qui veut que je représente la classe à leur place? Je suis désolée, Emily, mais tu auras d'autres opportunités de montrer ton talent. Virginie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'un service. C'est mon père, il s'est trouvé une nouvelle lubie. Encore? Non, ouais, il s'est acheté un kit d'hypnotiseur, mais il arrive à rien, ça le déprime. Et il devient insupportable. Vous voudriez pas faire semblant d'être hypnotisé? Ça lui remonterait le moral et... comme ça, je pourrais être un peu tranquille. Faire semblant, je sais pas trop. Et puis, s'il s'en rend compte, ça risque de le vexer. Allez, Martine! C'est pour la bonne cause. Mais oui, ça pourrait être amusant. Bon, c'est d'accord. Oui. Les paupières sont lourdes, très lourdes. Quand je claquerai des doigts, tu seras complètement sous mon emprise. À présent, debout. Tourne sur toi-même. Saute. Assieds-toi. Relève-toi. Ça marche. Super. J'étais sûre que tu y arriverais, papa. Ça marche. Tu as vu ça? Comme quoi, avec un peu d'entraînement... Martine, quand je claquerai des doigts, tu reviendras, toi. Oh là là. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. Suivante. Le temps n'existe plus. Tu entres dans le monde de l'émotion, de la sensation. Aussi légère qu'une plume, aussi lourde que le plomb. Julie, maintenant, tu es une poule. C'est dingue, ça marche. Ça marche. Suivante. À chaque fois que tu entendras ton prénom, tu t'endormiras sur le champ. Puis tu te réveilleras quand tu l'entendras à nouveau. C'est compris? Claire! Ouvre les yeux. Lève le bras. L'autre. Fais la toupie. Ça marche! Elle en fait trop, là. On va se faire démasquer. Quand je prononcerai à nouveau ton nom, tu reviendras, toi. C'est compris? Oh, on n'est jamais tranquille. Faut qu'on file, sinon on en a pour tout l'après-midi. C'est bon, Claire? Oui, Bernard. Il est parti. Comment ça va? Merci, tonton. Merci. On doit y aller. Bien, c'est super. D'accord, très bien. Au revoir. Bravo, les filles. Il n'y a vu que du feu. Tu crois? J'ai eu peur qu'il se doute de quelque chose. Oh, avec des ronflements de locomotive. Quoi? Mes ronflements? Oh, les chippies! Elles faisaient semblant. J'aurais dû m'en douter. C'est bien joli d'être amoureux à Paris, Venise, à Lisieux. Mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié... Eh oh! Claire? On est là!
n'importe quoi. Claire? Oui? Tout va bien? Ben oui. Pourquoi? On parlait de la chorégraphie. On se disait que ce serait mieux si toi, Claire, tu... Hein? Claire? Oui? Ça t'intéresse pas, ce que je dis? Si, si, bien sûr. Tu disais quoi? Alors, qui va venir réciter sa leçon au tableau? Claire. Claire? Oui? Eh bien, allez au tableau. Je crois que Claire a vraiment été hypnotisée. Oui, c'est ce que je pense aussi. Oh là là! C'est une catastrophe! Il faut qu'on en soit sûr. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, c'est toi! Claire? Ah! Lève un bras. Attends, fais l'ornithorynque. Ne vous inquiétez pas, on répète notre chorégraphie. Bon, ben, cette fois-ci, c'est sûr, elle est hypnotisée. Il faut qu'on aille voir Jean-François pour qu'il la fasse revenir à elle. Oui, et vite avant qu'il se passe une catastrophe. Claire? Oui? De quoi on parlait? Hypnotisée? Finalement, je crois que je vais pouvoir faire mon numéro. Tonton, on a besoin de toi. Désolée, je suis occupée, Martine. J'ai autre chose à faire. Mais c'est très important. Claire est toujours hypnotisée. Ah, tu vois, il faut que tu la libères avant notre spectacle. C'est ça, oui. Mais si, regardez. Claire? Oui? Claire? 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 Vous pouvez arrêter votre cinéma. Je vous ai entendu. Je sais que vous faites semblant. Non, enfin... oui, mais pas Claire. Oui? Claire! Ça a vraiment fonctionné sur elle. Oh, laissez-moi tranquille maintenant. Je ne veux plus entendre parler de ces histoires d'hypnose. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir expliquer la situation à... Quoi? Oh non! Oh là là! Mais c'est horrible! Ma vie est fichue! Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. En attendant, il faut juste qu'on évite de dire ton prénom. Eh oh! Oh non! Claire! Oh non! Bonjour, Claire! Hein? Oh, c'est quand même génial, l'hypnose! Claire? Gratte-toi le nez! Tire la langue! Et hop, galipette! Émilie, arrête ça tout de suite! Moi, je veux bien! Mais ce serait dommage que quelqu'un de mal intentionné gâche votre spectacle en lui faisant faire n'importe quoi. Alors, si vous voulez éviter un fiasco, laissez-moi chanter à votre place. Oh, pas question! La maîtresse nous a désignés! Si c'est comme ça, je serai au premier rang pour vous encourager. Enfin, surtout, Claire! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'adore! On n'a pas le choix, il faut qu'on libère Claire nous-mêmes. Et voilà, ça recommence. J'espère que vous allez réussir. Je me sens tellement coupable. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Fixe le pendule. Attention. Concentre-toi bien sur le son de ma voix. Tes paupières sont lourdes. Lourdes. À trois, tu seras libéré de ton hypnose. Attention. Un. Deux. Oh, patapouf, c'est pas le moment. Alors, c'est bon? Vous m'avez déshypnotisé? Je sais pas, faut qu'on essaye. T'es prête? Attention, Claire! Oh non, c'est pas vrai! C'est une blague! Pardon, pardon, c'est nerveux. Oh, on a encore plus détraqué! Claire, réveille-toi! Alors, ça a marché? Oh non, non! Il n'y a que celui qui l'a hypnotisé le premier qui peut la libérer. Mais Jean-François ne veut rien entendre et le spectacle est dans une heure. Comment on va faire? Oh, Virginie, tu dois absolument convaincre ton père de venir au spectacle. Je crois que j'ai une idée pour nous faire gagner du temps et empêcher Émilie de tout saboter. Ça va être un carnage.
encouragements. Merci à tous d'être venus si nombreux. Vincent, musique. Attention, 1, 2, 3, top. C'est parti. C'est bien joli d'être amoureux à Paris, Venise, à Lisieux. Mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié, y'a rien de mieux. Celui qui tient. Oh, mais c'est de la triche, j'ai l'impression. Un endroit qui te redonne. Allez, plus vite, papa. On va arriver trop tard. Mais je suis à fond, là. Vincent, mon père te demande. Ça a l'air important. Allez, exécution. Y'a rien de mieux. Claire, va voler la perruque de Monsieur Pichon. Ton arc-en-ciel. Je sais pas. Tu donnerais ta chimie. Mon toupet, mon complément capillaire. Oh, catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, j'éclate. Mademoiselle, vous êtes punie jusqu'à la fin de vos jeux. Attendez, attendez, attendez. Merci, merci, public. Oh, yeah. Vous venez d'assister, mesdames et messieurs, au plus grand numéro d'hypnose de tous les temps. Cette jeune fille n'y est pour rien, tout est ma faute. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare, Claire, complètement déshypnotisée. Mademoiselle Émilie, je crois que vous me devez quelques explications. Oh. Notre spectacle n'a pas vraiment été une réussite. Le principal, c'est que Claire soit... Mais non, je rigole. À cause de vous, génie, j'en ai pas de ligne. Attention, Émilie, tes paupières sont